Bah, la première gifle est arrivée. Je m'habille, regardez, 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 déchire mon jean. Et les violences augmentaient. C'est une séquestration. Mais laisse ça, tranquille, Marie. Pourquoi tu fais ça? Tu me dis la vérité, pourquoi non, tu fais tu ça caches. Mais je mens pas, Et donc, il disait à ma mère au téléphone au loin, madame, votre fille, c'est une p***, c'est une p***. Il veut pas, il me pousse. Parle. Non, je veux pas envie, c'est bon, j'ai pas envie. Tranquille, tranquille. Parle. Je crois que tu fais ça à ta mère, mon frère. Elle veut pas prendre parti, elle a dit. Tranquille, moi je vais partir. Il met des coups de pied et tout, il se met en... Oh la menteuse, oh la menteuse, putain. Sur le lit, il me pousse avec ses pieds. Putain, mais c'est grave, heureusement que je filme. Ou alors, heureusement que je filme. La mec, c'est filmé, hein. Tu dis que je t'ai mis des coups de pied, c'est filmé. Oui. Bref, c'est filmé. Il filme et tout, parce qu'il dit que je suis une... Ouais, bien sûr que je filme. Bien sûr que je filme, frère. Tu m'as vendu vite, tu vas dire à ta mère, on dirait que je te mettais des coups de pied, j'ai filmé. Mais t'as fait comme ça, Morale. D'accord, bah on verra. Bah, donc, tout est filmé en tout cas. Tout est filmé. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit, écoute, on arrive, je sens qu'il se calme pas, on arrive. Tout est filmé. En fait, le temps que je raccroche avec mes parents et qu'ils arrivent, bah, il m'a étranglé dans la cuisine contre le mur avec ses deux mains. Bah, ce jour-là, vraiment, ça a été le pire. Je sentais mes yeux sortir de mes orbites. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis dit, purée, ça va finir comme ça, en fait. Enfin, c'est ta vie, ça va finir entre les mains de ce mec. Tu t'en vas de l'appartement et tout se passe bien. Et on ouais, pas de problème. Tu continues ta vie, elle continue la vie. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible, ça? Ouais, c'est possible.